Lokumu nakolo mukolo, mokelia mukili, nzambe ya bankolo. Salutations de paix à tous, je vous passe le losako, losako, ya bana ezalela. Le titre de cette présentation est Narmer ou Nyala Mouli, la figure du Nil ou bien le fils du Nil, le fils de Marie. Vous savez, dans le Coran, le fils de Marie, c'est le titre qu'on donne au Christ, à Jésus, à Yesu. Et donc, Narmer est une figure messianique. Avant de commencer, pour ceux qui parfois veulent poser des questions, en message privé, ils peuvent le faire sur la page Facebook qui apparaît à l'écran. De même, ceux qui veulent soutenir le rétablissement de la tradition du bon coco, du coin Kolou, peuvent le faire par l'adresse email qui apparaît à l'écran. Aussi, en guise d'introduction, on rappelle qu'à l'origine, dans la Bible en hébreu, les mots étaient composés de racines consonantiques, il n'y avait pas de voyelles entre guillemets. Et il en est de même pour l'Égypte antique lorsque l'égyptologie l'aborde, pour ce qui est des hiéroglyphes. Ainsi donc, notre sujet est Narmer. Voici ce qu'on nous dit à propos de lui. Narmer est un roi de l'Égypte antique ayant régné 32 siècles avant notre ère. C'est le successeur de la dynastie Zéro. Il a fondé la première dynastie. De fait, il est le premier roi de l'Égypte. Les informations sur ce pharaon sont essentiellement tirées de la célèbre palette de Narmer. Voici ce qu'on appelle la palette de Narmer, qui est censée raconter l'histoire d'un pharaon qui s'appelait Narmer. Mais nous disons que c'est bien plus que cela. C'est aussi une histoire qui est censée se passer bien après cela. Parce que dans l'Égypte antique, il y avait la notion de la geste. Par exemple, ici, vous avez le pharaon, la tombe du pharaon Ramsès Ier. On le voit dans la geste égyptienne. Donc, c'est un pharaon qui reprend les grands thèmes de la tradition égyptienne. Par exemple, ici, on voit le pharaon sous la forme de Atum, de Touma, entre guillemets, la divinité primordiale qui a créé le monde. Et donc, lorsque vous voyez un pharaon qui parle d'unifier l'Égypte, il peut très bien être l'unificateur de l'Égypte, le conquérant, le vainqueur, mais il se met dans la peau de Wolissa, de Horus. Et il se présente en tant que Messie. Il indique que son nom, c'est le Christ. C'est, entre guillemets, quand vous appelez Jésus dans le monde chrétien. Et ainsi de suite. Il donne suffisamment d'informations là-dessus. Et étrangement, il vous parle de l'époque, de l'ère du Loséba, avec un certain nombre de choses qui se passent dans le monde actuellement. Comme si le grand roi était en route. Et ça, donc, c'est une parenthèse. Et donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi il se fait également appeler, entre guillemets, le fils de Marie. Maintenant, concernant la fameuse palette dite de Narmer, parce qu'on voit beaucoup de nos frères kamites qui se font appeler Narmer, c'est le cas, par exemple, du responsable, du propriétaire, je pense, de la maison d'édition, bien de la librairie Tameri. Et il se fait appeler Narmer, probablement en l'honneur de Narmer en tant que pharaon, non pas en tant que messie. Et donc, il est important de s'intéresser à la tradition. Et lui qui côtoie l'éminent Cési Kouvi Gomez, le professeur Gomez, il aurait peut-être pu lui demander comment on dit Narmer dans les traditions africaines, puisque le professeur Kouvi Gomez est censé avoir la maîtrise des hiéroglyphes, il aurait pu simplement l'orienter vers un terme africain, parce que là, ce sont les termes de l'égyptologie, alors que nous avons des termes authentiques.
Et donc, c'est quand même l'occasion ici de présenter son nom authentique de la tradition ancestrale. Donc, voici un document PDF intitulé donc La palette de Narmer. Et ce qui est intéressant dans ce document PDF, c'est que on décrit en généralité presque tous les éléments qu'il y a sur la palette de Narmer. Donc, c'est un document qui est très intéressant. Et ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ici, on dit le nom du roi que nous lisons, Nar, c'est le poisson-chat ou le silure. Ensuite, ce que nous lisons, Mer, c'est la masse du sculpteur. Donc, il montre ici le poisson-chat silure et la masse du sculpteur. Donc, Nar et Mer qui donnent Narmer. On rappelle que en Lingala, le R se prononce L. Radio, on dira ladio. Et donc, Narmer, nous disons que c'est par exemple Nyala, Yemela, Nyola, Mouli, etc., etc. Donc, que faut-il déjà pour démontrer notre argumentation? Premièrement, le fait que Nar, la racine consonantique, c'est NR, correspond à NL en Lingala. Et que ce sont là les mots qui mènent au poisson-chat et au chat. Tandis que la partie mer, MR, en lingala, ML, sont les mots du sculpteur, de sculpter, de former, de ressembler, d'être l'enfant d'eux. Ensuite, deuxièmement, le rapport entre NLML ou NRMR avec les images et la sagesse des dessins sur la palette de Narmer. On va donner quelques exemples. Et enfin, on pourra encore ajouter que NLML ou NRMR, par une métaphore de sagesse, signifie Nessut-Bity, titre du pharaon. Et lorsque nous disons mer, Narmer, en français, on dit la mer. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas si faux que ça. Et justement, c'est le nom associé à Marie, entre autres. Et donc, l'égyptologie nous dit que le pharaon l'appelle Nessut-Bity. On va regarder une des formes par rapport à la palette de Narmer. En lingala, bêta, ça veut dire frapper. Nsete, c'est le clou. Donc, bêta, nsete, nseteya et beti, ben, c'est le marteau qui frappe sur le clou. Et en fait, c'est une des formes de Nessut Biti. Parce que bêta veut dire aussi piquer comme l'abeille, en fait. Et donc, on sait souvent qu'on dit Nessut-Bity, c'est l'abeille et le jonc, etc. En tout cas, ici, vous avez bien le poisson qui est comme un marteau qui frappe dans un clou. Donc, Nsete, ya ebeti, ou bien bêta, Nsete, qui devient Nessut-Bity ou l'inverse. Et on voit qu'il est en train de frapper sur le clou, entre guillemets. Ensuite de ça, on a dit que la partie nar, c'est le silure ou le poisson-chat. Comme on voit, on confond souvent poisson-chat ou bien silure. Et donc, comme on le voit ici à l'image, et comme on dit poisson-chat, le chat, c'est un félin. Et sur la palette, on a le poisson et on a le félin. Mais on a le lion féroce. Mais on a aussi le petit chat qui est tout mignon, qu'on aime caresser. C'est tous ces aspects-là qu'on veut montrer aussi dans cette représentation, qui incarne aussi les 10 commandements et bien d'autres éléments. Donc, la racine NY a donné en lingala Nyumi, le poisson-chat, et Niaou, le chat. Donc, on remarque bien le NY. On dit nos mots sont dans la mythologie des Dogons du Mali, des génies ancestraux des eaux. On dit le mot nomo est issu du terme Dogon signifiant fabriquer de l'eau. On dit les nomos sont habituellement décrits comme des amphibiens hermaphrodites ressemblant à des poissons. Voici des images de nomos. Vous voyez ici
des poissons-chats. On dit nomo, etc. En lingala, on dit nyumi, poisson-chat. Ensuite, toujours avec notre racine NY, cet article du magazine Femina nous dit c'est prouvé, les chats sont les mammifères les plus paresseux. On dit la science le confirme. Nous n'aimons pas le terme science, nous préférons le terme recherche. Ce sont des chercheurs qui peuvent dire des choses vraies comme des choses erronées. Ainsi donc, le NY a donné Niaou, le chat. Le NY a donné Nyomolo, la fainéantise, la paresse. Voyez la sagesse ancestrale. Et de là, on a Nyomo, caressé. Donc, ce fainéant qu'est le chat aime qu'on le caresse, qu'on le touche légèrement. Et donc, le Niaou, le chat, a donné Nyomo, caressé. On nous dit donc, pourquoi les chats aiment-ils qu'on les caresse? C'est pour dire qu'ils sont connus pour aimer être caressés. Quand un chat vous voit pour la première fois, il va venir vers vous comme si vous connaissez depuis je ne sais quoi. Parfois, il va vous observer pendant un certain moment. Il vous regarde comme s'il était en train de vous sonder mystiquement. Et puis, il approche, il monte sur vous et il commence à s'installer. Il se fait de la place et il dort sur vous directement, même s'il ne vous a jamais vu. Tandis que les chiens commencent à aboyer sur vous. Donc, les chats aiment qu'on les caresse. NY, associé aussi à la douceur et à la force. D'où l'idée qu'on a le chat tout mignon et on a le lion féroce. Donc, c'est aussi un des caractères de Narmer ou du Messie. Nyumi, c'est le poisson-chat. Nyomo veut dire caresser, mais également abattre, rouer de coups. Et c'est ce qu'il est en train de faire sur la palette. Et on nous dit que le nom Narmer peut être traduit par poisson-chat qui frappe. Donc, il est en train de rouer de coups Nyomo. En lingala, l'expression poso yangolo, c'est-à-dire quelqu'un qui a la peau lisse et noire comme le silure. Lisse est synonyme de doux. On caresse ce qui est doux, d'où l'idée de toucher légèrement ou de caresser, qui a donné Nyumi, donc de Nyomo à Nyumi, le poisson-chat. Vous voyez que la tradition insiste sur l'idée de la douceur, d'être lisse, pour dire que ce n'est pas par hasard qu'on retrouve ces éléments-là. La douceur, le silure ou poisson-chat. Pour encore bien le démontrer, on va prendre une autre forme du nom du poisson-chat en lingala, on l'appelle également Tsembe, donc espèce de silure qui ressemble à l'anguille. Et Tsembe veut dire aussi doux ou bien être lisse, être moelleux, être mou. Et vous voyez que ici vous avez le cou du lion, parce que le lion, on l'appelle Simba, qui est associé à Simba touché. On a dit que Nyomo veut dire toucher légèrement, caresser. Et ici, on a mis le cou du lion qui est moelleux, qui est capable de prendre des formes comme si c'était un poisson-chat ou un serpent ou un silure. Simba, c'est le lion. Simba veut dire faire un détour, c'est-à-dire être capable de prendre une courbe comme le poisson-chat. Ngolo, c'est le poisson-chat. Ngolou, c'est la grâce, la miséricorde. Chez les Juifs, on parle de Géoula, c'est-à-dire la délivrance. En lingala, on dit Ngolou, la grâce, la libération, le salut. Et cette palette parle du salut. Et en particulier, non seulement le salut de l'humanité, parce qu'il vient ramener l'ordre en tant que Messie, mais il vient aussi, bien évidemment, libérer ceux qui sont représentés ici dans l'unité, les peuples aux cheveux crépus. Ngolo, c'est le poisson-chat. On assiste sous sa couleur noire. Mais il y a différents types. Et on voit que la racine Ngo, c'est la racine du lion Ngo. Vous voyez le rapport dans les images de la palette entre
le lion et le poisson-chat. Donc, pour maintenant rentrer dans le nom du pharaon Narmer ou de Narmer, tant que Messie, eh bien, on rappelle qu'on a dit que le NY avait donné Niaou, le chat, Niumi, le poisson-chat, Niomo, caresser, et on sait que les chats aiment qu'on les caresse et ils sont associés au poisson-chat, aider de toucher légèrement. On sait à quoi servent les fameuses moustaches du poisson-chat ainsi que du chat. Et donc, on a dit que quand on dit Mposso, c'est la police, comme le silure. Nsembe, c'est le silure. Sembe, c'est la douceur, c'est être mou. En lingala, regardez, nyoluka, c'est-à-dire ramollir, également fatigué. Quand on est fatigué, on va se coucher, entre autres. Et donc, c'est l'idée d'être mou. Nyoluka, vous retrouvez bien la racine NY. Nyomo, ça veut dire caresser, c'est-à-dire affaiblir, mollesse, manquer d'énergie. Et donc, ce sont les mots de la mollesse, de la faiblesse, de la fatigue, du repos, etc. Parce que si vous prenez un poisson-chat, vous le mettez par terre, il sera couché. Ça, c'est juste une symbolique, mais qui unit l'ensemble des poissons, on va dire. Et donc, c'est les mots qu'ont donné Niaou, le chat, celui qui est toujours fainéant, fatigué, en train de dormir. Niumi, c'est le poisson-chat. Donc, vous voyez toute la logique de la tradition, comme le montre ici le dictionnaire étymologique. C'est bien l'idée de la douceur, d'être mou, etc. Et donc de là, on a Nyoluka, être mou, s'affaiblir, se fatiguer, et on a enfin Niela, qui veut dire s'apaiser, s'affaisser, s'affaiblir, se ramollir. Et ce sont les mots de Niaou, et de Niumi, le poisson-chat ou le chat, toujours avec la racine NY. Cette constance ou cette constante qu'on a vue depuis le début. Ainsi donc, la partie NY, ou plutôt la racine, a donné Niela. On peut aussi écrire avec I à la place du Y. Donc, c'est bien la racine NL qui équivaut à NR qui a donné Nar. Donc, on peut dire Niela. Au lieu de nar, de narmer. Ensuite, on a dit que Niumi, c'est le poisson-chat, et on donne le nom ici occidentaliste, qu'on retrouve ici. On nous dit qu'on le rencontre, ce poisson-chat, en Afrique, dans le Nil, le bassin du Congo et le Zambèze. On donne une description, il peut mesurer plus d'1,50 m. Et on l'appelle également donc Longifilus et Longus ou Longus, ça vient du latin être long et filis filament, qui fait allusion notamment à ses filaments ou à sa moustache, qui sont longs, mais aussi sa forme allongée. Il faut bien retenir cette logique, long et filament. Filament, on nous dit production organique longue et fine comme un fil, filament de cellules nerveuses, les nerfs par exemple. Et on dit aussi tout ce qui est fil électrique, etc. Sachez bien que Narmer, dans la palette de Narmer, on dit que les Égyptiens avaient la maîtrise de l'électricité, ils connaissaient l'électricité, en tout cas les prêtres. Et parfois on se pose la question, mais pourquoi les prêtres ne vulgarisaient pas certaines connaissances? Non, ils ne devaient pas bouleverser l'ordre du monde. Imaginez-vous aujourd'hui, en 2020, ou bien quelqu'un qui a vécu, par exemple, je ne sais pas, au 15e siècle, et qui avait le don de prophétie. Il regarde et il voit le 21e siècle, en 2021, il voit de l'électricité, des fils électriques, il voit toutes sortes de choses, et il voit aussi les dégâts que cela engendre dans le monde, les armes atomiques, etc. Vous pensez que quand il va revenir à son époque, au sortir de sa vision, il va commencer à expliquer aux gens, voilà comment on fait l'électricité, etc. Non. Mais par contre,
Il peut l'expérimenter dans des temples secrets pour X ou Y raison. Donc, ça, c'est une idée qu'on peut donner comme ça. Et donc, Nyo Lolingala, c'est nervure. C'est l'idée des nerfs, comme des cellules nerveuses. Mais c'est l'idée qu'on donne aussi aux arêtes de poisson. Donc, c'est comme un réseau de câbles, en fait. Et on sait que ce sont les os, dans le cadre du poisson, on va dire les arêtes, qui vont donner la forme du corps. C'est ça qui va s'allonger, etc. C'est pourquoi on appelle ça Nyolo. Donc, nar, c'est encore Nyolo. Toujours par rapport aux filaments qui sont des moustaches pour le silure, c'est l'idée de la sensibilité. Nyola, en lingala, ça veut dire être sensible, être touché. Donc, souvenez-vous de nyomo, qui veut dire caresser, toucher légèrement, mais qui sont aussi l'idée de abattre, de frapper, donner un coup. Parce que tout simplement, le coup, c'est le toucher avec une plus forte intensité. Et ça peut aller jusqu'au coup électrique, à l'électrochoc. Ce que revendique clairement le pharaon Narmer et le Messie en tant que maître des éléments capable de contrôler même la foudre. Nyumi, bien évidemment, par la permission du Créateur Tout-Puissant dont il est le représentant. Et donc, Nyumi, c'est le poisson-chat. Et donc, c'est toujours cette racine de NY qui va donner, par exemple, Nyola, NL comme nar de Narmer. Et pour bien voir que on parle de sensibilité par rapport à la moustache, on vous dit ici Monzomba, dont la racine est Nzomba, c'est-à-dire moustache, antenne d'un animal. On dit ici l'antenne est l'organe allongé et mobile situé sur la tête de certains animaux, siège de la sensibilité, donc Nyola. Et on vous dit ici en lingala, c'est Monzomba, dont la racine est Nzomba, et qui donne quoi? Nzombo. Le silure, le poisson-chat. Et dans les mots qui sont associés, ça veut dire aussi les mots de grossir, de pouvoir être assez flexible, assez mou, pouvoir facilement s'allonger. Et on dit que c'est l'un des plus gros poissons d'eau douce. Donc, il y a l'idée de long et étendu. On a dit que Nyola, c'était déjà l'idée de sensibilité, des filaments, des moustaches. Mais ça veut dire aussi l'idée de étendre, étirer, être long. Donc, vous voyez, la flexibilité, le fait d'être mou lui permet non seulement d'être souple, mais aussi de s'étirer. Donc, on a Nyolwa qui veut dire étendu, étalé. Et ce sont les mots qui nous rappellent le fleuve Nil en tant que Nyola. NL comme le fleuve Nil. Ainsi donc, NR, NL. En tant que nar, dans la tradition, on dira par exemple Nyola. Il y a encore beaucoup d'autres formes, mais ici on donne quelques exemples. Donc, Narmer, la partie nar, c'est déjà par exemple Nyola. Il reste à trouver le mer. Donc, comme on a dit, nar, c'est le poisson-chat qu'on a vu. Maintenant, il faut voir ce qu'on appelle ici la masse du sculpteur. Donc, il faut trouver les mots de sculpter, de faire des formes, puisque c'est ça que sert la sculpture, c'est à ça que ça sert. Et donc, mer, c'est MR. En lingala, ce sera ML. Sculpter, c'est façonner. Sculpter, c'est former, façonner, en tant que synonyme. En lingala, Ema, ça veut dire former, façonner, qui devient Emela. Donc, la racine ML. Donc, Emela, c'est une forme pour dire mère. Ema, qui se dit aussi Yema avec Y, on a vu que c'est façonné, formé, eh bien, on a sculpté, c'est toujours Yema ou bien Ema, comme vous le voyez, c'est avec Y ou sans. Donc, c'est bien l'idée de sculpter Yema qui devient Emela. Ainsi donc, MR égale ML en lingala, c'est Yemela qui correspond au maire de Narmer.
Donc, ici, on a une forme complète déjà. Par exemple, Nyolo Yemeli. On dit que le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui est consacré, oindre, c'est kula. Kula veut dire oindre, et la forme koula, dont la racine est oula, veut dire représenter, figurer. Et on dit que lui, il insiste, il dit même qu'il s'appelle, entre guillemets, Jésus, Yeshua, tout ce que vous voulez, mais attention, on dira Yassoua. Du verbe kosoa, qui veut dire à la fois mordre, qui a donné kousa, qui veut dire moindre, etc., etc. Kossi, le lion. Et kula veut dire encore terrasser. On voit qu'il est en train de terrasser. Et de oula, on a mouli, c'est-à-dire représenter, souffler, mais également synonyme de moubeti. Que signifie moubeti? C'est-à-dire celui qui frappe. Donc c'est directement son nom à lui. Donc il se présente bien comme le Messie. Ici on voit une forme, ce qui est une autre fois, on verra une autre forme. Donc Narmer, on nous dit que déjà il se place sous la protection du faucon Horus, dieu du ciel, entre guillemets. Et on le voit ici, le Horus, entre guillemets. Le roi, on dit que Horus, on dit Or dans les hiéroglyphes. C'est HR. Ce grand H peut se prononcer K lorsqu'il n'est pas muet, donc ça devient KR. Sinon, ça va être la racine quantique R, c'est-à-dire L en lingala. On voit ici des formes pour dire Horus. En lingala, on dira Nkolo ou bien Kolo, c'est-à-dire le seigneur, le chef, le roi. Et ça a donné l'ikolo, le ciel, celui qui est en haut, au-dessus. On voit encore que les noms de Or, ça veut dire au-dessus. Donc, Kulu, Kolo. Et ça a donné Kola, grandir, s'élever, dont la racine est Ola, avec juste L, comme ici on dit R, si on ne prononce pas le H qui se prononce K. Donc, Ola a donné Kola, qui veut dire aussi grandir. Et qui sont les mots de Wula, qui veut dire figurer, donner des formes, ou bien ressembler. Et grandir, allonger, on a dit que c'était Nyola. Donc, c'est pour dire qu'il est bien le Mouli, le Horus, le Seigneur Nkolo, même si ce nom-là, c'est les noms d'en haut, donc c'est un terme pour dire aussi Dieu. Bien évidemment, dans le contexte, on sait faire la différence. Et donc, Horus veut dire bien aussi ressembler. Et là, vous voyez qu'on a mis le N, comme le N nasal de Nkolo. Mais la racine, c'est Kolo, KL. Mais on peut dire aussi Nkolo avec la nasale. Donc ici, on dira Nkolo, qui veut dire ressembler. Du verbe koula, qui veut dire représenter, figurer, ressembler. Et on dit qu'ici, sculpter veut bel et bien dire figurer ou ressembler. Donc, celui qui a pris une ressemblance, une figure de mère, de sa mère, de mari, de la mer, de l'eau. Donc, sculpter veut dire figurer, koula, dont la racine est oul, oul. Que veut dire oula? C'est qu'on dit Horus, wol. Et si on ajoute le suffixe ça donne wolissa, qui a donné Horus. Mais certains disent que non, l'un c'est le grec, l'autre c'est l'égyptien. Comme si les égyptiens n'avaient pas de suffixe, ils disent toujours or, 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 ils restent bloqués là-dedans. Donc, mouli, du verbe koula, veut dire figurer, représenter, souffler. Donc, le MR, le ML, parce que souffler, c'est aussi siffler comme l'oiseau, souffler, s'envoler dans les airs, monter, être en haut, etc. Donc, on se comprend bien que ce sont les caractéristiques, notamment du faucon. Et être au-dessus, c'est le roi qui est au-dessus. Donc, MR, c'est ML en lingala, c'est encore Mouli, donc qui donne la forme mer, MR, de nar, mer. Donc, nar, mer,
on pourrait dire encore Nyolo, Mouli, et encore beaucoup d'autres formes. Et si on veut traduire Nyolo, Mouli, il y a encore beaucoup de façons pour le dire, et aussi notamment pour le traduire, mais ça peut être qui a la forme du silure, ou qui est formé par le silure, ou le poisson-chat. Le poisson-chat qui incarne aussi l'idée de la mer. La forme du silure, c'est la forme du Nil, de l'eau. Nyolomouli, c'est également le fils du fleuve Nil. Comme on a dit, c'est aussi le fils de Marie. Parce que les deux noms dans la tradition peuvent s'inverser. On a vu que Mouli sont les mots de former, là sont les mots de s'allonger. Donc, l'eau prend toutes les formes. Donc, c'est l'idée de la mer ainsi que du Nil, du fleuve ou vice-versa. Se trouve que océan vient de okeanos, en anglais on dira okanissa, du verbe oka qui veut dire entendre, ressentir, yokana, se réconcilier. Et c'est cette image qu'on voit ici du serpent, donc qui est souple, qui est flexible, qui se mord la queue. Donc, c'est-à-dire il a fait une alliance. Et on sait que dans la palette de Narmer, il y a la même chose. Et ça a beaucoup de symbolique. Et donc, on nous dit qu'à propos du Nil, le nom le plus ancien de ce fleuve est Okeanes, qui signifie en grec océan. Donc, en lingala Oka, on dit aussi Yoka, c'est-à-dire être en accord, c'est faire alliance, se réconcilier. D'ailleurs, on dit souvent que quand le serpent lâche sa queue, c'est le déluge, la fin du monde. Et puis il reforme sa queue et fait une alliance. Dans les mots de la tradition. Donc sculpter, c'est modeler, comme on le voit ici. On dit ici, Yo Kanissa, le ko, c'est un préfixe. Donc ça vient bien du verbe yoka qui est ici, mais qui se dit aussi oka. Donc on peut dire O Kanissa, donc K-N-S, ça veut dire concilier, modeler, donc sculpter, façonner. Et ça veut dire aussi relier, comme vous voyez ici. Donc c'est ça, il fait une alliance, une unité, une union. Et les mots de Yoka ont donné Nyoka, le serpent. Et on sait que pour la chute, il a fallu écouter un serpent dans le récit d'Adam et Ève. Mais bon, c'est une parenthèse. Toujours est-il que vous avez toujours la racine NY qui est là. Et on sait que le serpent, il est comme l'anguille, le poisson-chat. Il est flexible, il est mou, etc. D'ailleurs, on le voit ici, Nyoka veut dire faible, fatigué en Kikongo, qui a donné quoi? Noka, Noé, le prophète Noé, qui veut dire le repos, être fatigué, se reposer. Nyoka, ça veut dire le serpent. Et c'est sur la racine NY qui a donné Nyumi, le poisson-chat. Comme on a dit, Narmer fait ces formes-là avec le cou du serpent, ou plutôt le cou du lion, comme c'était un serpent, un poisson-chat, un silure, une anguille. Donc, vous voyez qu'il y a la sagesse dans la tradition. Et on sait que quiconque est flexible est capable de faire toutes sortes de formes. Et on sait que l'eau est spécialisée pour cela. On met dans une bouteille, ça prend la forme de la bouteille, dans un verre, la forme du verre. Tout ce que vous allez faire, l'eau va prendre la forme. Et on nous dit encore à propos du Nil que ça vient du roi Nilus. Et donc, en lingala, Nilus, c'est la racine de Nyolusa. Nyolusa qui veut dire quoi? Être allongé, être étendu comme un fleuve. Qui a donné Nyoluka, se ramollir, se fatiguer. Ce sont les mots de Nyo. Qui a donné Nyoka, le serpent. Niela, s'affaiblir, se reposer, s'apaiser, etc. Et au passage, ici, on parle de déluge. C'est Diodore de Sicile. On parle de déluge, mais c'est un autre sujet. Donc, à la fin du déluge, on sait qu'il y a l'alliance, la réconciliation. Vous voyez les mots de la tradition Yokana, la réconciliation, l'alliance qui est faite, et alliance dit Yokana en lingala. Donc, la forme de silure, Nar, Niala, le Nil, mais c'est aussi la mer. Comme on a vu, ce sont les mots de façonner, de sculpter, de former. Donc, vous voyez,
Ça, c'est une image du Nil. C'est flexible, c'est sinueux, comme ça, c'est une anguille. Donc, les mots, on dit bien Nzombo, silure qui ressemble à l'anguille. Donc, c'est les formes qui sont importantes ici pour donner tous ces noms-là, Nsembe, toujours qui ressemble à l'anguille, ou au serpent, etc. C'est le même principe dans la tradition. Donc, ce sont les mots qui ont donné le Nil. Mais ce n'est pas notre sujet, l'étymologie du Nil aujourd'hui. En hébreu, M, c'est la mer. On dit Ima, en arabe, Yima, etc. Donc, c'est la mer. Et ça veut dire aussi la naissance. Là aussi, c'est associé aussi à la naissance, la renaissance même. Comme le bébé dans le ventre de sa mère est en train d'être formé. Et en lingala, on dit Zemi, c'est la grossesse, qui vient de émi, du verbe éma ou yéma, qui veut dire façonner, donc sculpter, concevoir. Donc, ça vient du verbe éma, qui veut dire former, façonner, tracer des formes. C'est ce que fait la femme dans son ventre. Elle a cette capacité-là de donner des formes. Donc, Niolomouli, en tant que Horus, en tant que pharaon, l'image de Horus, il a été éduqué ou façonné, déjà dans le ventre de sa mère, par une femme, par sa mère. Et c'est aussi le parallèle entre Horus et Isis. Ema, ou Yema, veut dire former, façonner. Et Ema veut dire tente, pavillon. Ce sont les mots de la maison. La mère est considérée comme une maison, comme un siège, un endroit où tu peux être fixé stablement. Et donc, naître se dit encore mess, l'Égypte antique, et ce sont les mots du messie et du germe. Emma, en lingala, ça veut dire former, façonner, dessiner, emissa. Donc, c'est la racine MS, cette fois-ci, qui ont donné MS en Égypte antique, qui veut dire façonner. C'est le même mot. Donner naissance, créer. Et on voit que c'est la femme qui donne naissance. Ce sont les mots du Messie. On dit, dans le lexique biblique, le terme germe, c'est un des titres de gloire du Christ, d'une Kessie. Donc le titre germe se rencontre dans Ésaïe, Jérémie ou Zacharie, par exemple. On dit encore ici, le Messie, le germe, juste le roi divin, notamment dans Jérémie 23. Et on sait que Michael, c'est l'ambassadeur, c'est l'ange d'une Kessie, sa ressemblance, sa représentation. En lingala, Meke veut dire être plein, qui a donné, et Mekoli, la copie, l'imitation, Mekola, sous-peser, rivaliser, imiter. Donc, c'est aussi de peser, de mettre son poids sur quelque chose, d'appuyer. C'est ce qu'a donné le serpent Nyoka, écraser le serpent. Donc, c'est lui qui écrase le serpent, ses adversaires. Tout comme ici, on voit une fausse image de Michael, mais c'est une représentation, en tout cas, du point de vue des peuples qui ressemblent à cet ange, entre guillemets, qu'ils ont fait à leur image. Mais c'est le principe de peser, d'appuyer, d'être plein, d'être rempli. Et l'eau, on sait qu'on a dit l'eau prend la forme. Donc, il imite, c'est une copie. Donc, on s'arrête ici par rapport à Narmer. Donc, Nyala Mouli, Nyolo Mouli, et ainsi de suite. Vous voyez, dans la tradition, les choses sont claires. Mais là, on n'a même pas dit le 1 millième de ce qu'on aurait pu dire sur ce sujet-là, Skinkolo Alingi. On pourra peut-être aborder d'autres aspects. Mais comme vous voyez, avec la tradition, les choses sont claires. Et que il ne faut pas se limiter à l'égyptologie. Parce que la tradition est encore là. Souvent, les gens vont dire oui, comme la tradition est devenue orale, on a perdu l'écriture, on a perdu les traces, etc. Voilà, etc. C'est terminé. Non.
Au contraire, la tradition orale est plus forte que l'écriture. Elle a précédé l'écriture. C'est par la parole qu'on dit que le monde a été créé. Donc, les sons, les vibrations, ça fait des formes. Faire le monde, c'est comme écrire le monde. Mais on l'écrit avec quoi? Avec des sons, avec la parole, avec des mots. Donc, les mots sont plus fiables. En tout cas, les mots de nos traditions, c'est clair que c'est ainsi. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par un livre ou en tout cas par le récit, parce qu'il faut savoir que si un égyptologue essaie de vous lire ça, il va dire ça, c'est ça, 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 et puis il aura terminé, merci, au revoir. Donc, la tradition comprend ceci comme un livre avec des centaines, voire des milliers de pages, avec chaque élément expliqué avec une profondeur et une sagesse inimaginables. Donc, pour ceux qui sont intéressés par un livre qui parle plus en profondeur de cela, eh bien, ce serait peut-être une affaire de 7 $ à peu près pour ceux qui sont intéressés par cela. Les éléments qui concernent tout le monde d'une manière générale, c'est des éléments que on partage dans les vidéos, mais il y a tellement de détails, tellement de sagesse sur la nature, sur les éléments, sur l'électricité, sur la royauté, sur un certain nombre d'éléments qu'on n'aura jamais le temps de vous présenter dans des vidéos, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ce serait environ 7 $. Mais bon, c'est un autre sujet. Ainsi donc, plutôt que de commencer à imiter l'égyptologie, on dira Niolo-Mouli pour parler de celui qu'on appelle Narmer. Mais comme on a dit, c'est une geste qu'il représente, tout comme les pharaons ont toujours représenté leur image dans des gestes qui sont associés à leur tradition ancestrale. Tout comme si on disait, voilà, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, on le représentait ainsi. Ça ne veut pas dire que Lumumba n'a pas existé ou que Sankara n'a pas existé, mais on met Sankara sous une figure messianique pour dire que c'est un libérateur, un sauveur par rapport à son peuple. Donc, il prend exemple sur sa tradition. Et c'est ce qu'a fait Narmer ici. Donc, ne pas croire simplement qu'on parle d'une histoire qui est passée. Certes, il y a l'unification qu'il a fait, son règne, mais il y a aussi la notion, la dimension prophétique. On s'arrête ici. Le kum nankolo, tatanzambe abankulu, pevi forsi sentence, salutation.